Mon fils, voilà maintenant 4 ans que tu es marié et ta femme n'a toujours pas d'enfant. Si tu m'avais écouté et avais épousé Maria, la fille de l'ami de ton père, nous n'aurions pas cette conversation en ce moment. Maman, pourquoi faut-il toujours que tu reviennes sur les mêmes sujets à chaque fois? Tu es notre seul fils, moi et ton père nous prenons de l'âge et nous n'avons toujours pas de petit-fils. À quoi te sert donc cette femme, qui en plus d'être stérile, n'est pas très courtoise d'ailleurs? Maman, je ne me suis pas marié d'abord pour avoir des enfants. Je me suis marié par amour pour ma femme. Et Fanny n'est pas stérile, nous attendons juste le bon moment pour avoir un enfant. En tout cas. Et où est-elle d'ailleurs? Toujours en train de se pavaner dans les magasins? Maman. Donne des conseils à ta femme, mon fils. J'ai parcouru des kilomètres depuis l'Afrique pour venir vous voir et elle n'est même pas là pour m'accueillir. Elle avait un cours important ce matin, maman. Tu sais qu'elle n'a pas encore terminé ses études universitaires. Peu importe. Écoute mon fils. En Afrique, nous vivons avec la fille d'une amie qui est décédée il y a presque 1 an. C'est une jeune femme très polie et serviable. Moi et ton père avions pensé que peut-être il serait bien qu'elle vienne vivre avec vous étant donné que vous n'avez pas d'enfant, cela lui permettrait aussi de faire de meilleures études ici car elle est très intelligente. L'idée ne me déplaît pas maman, mais laisse-moi en parler avec ma femme en premier et je te laisserai savoir la suite. De toute façon elle doit venir ici. Moi et ton père prendrons en charge les frais de déplacement, mais je ne veux pas qu'une fois arrivée ici, elle habite chez un inconnu. C'est pour cela que j'ai préféré qu'elle vienne chez toi. Parle-en à ta femme et donne-moi des nouvelles rapidement s'il te plaît. C'est d'accord maman. Bérénice, comment tu trouves ce haut? Il est canon n'est-ce pas? Oui, très joli. Pour une fois que tu as bon goût. Parce qu'avec tes sandales bon marché dans un magasin chic comme celui-ci. Je ne sais pas comment tu fais pour ne pas avoir honte. Tu sais quoi? Ma belle-mère est arrivée aujourd'hui. J'ai dû inventer une excuse à Bertrand pour ne pas aller la chercher avec lui à l'aéroport. Cette vieille cloche a la manie de me lancer des piques à chaque fois qu'on se rencontre. Oh, toujours pas d'enfant dans cette belle maison? Blablabla. Tu sais, tu ne devrais pas parler comme ça de ta belle-mère Fanny, c'est la mère de ton mari après tout. Et elle? Elle a le droit de me mettre mal à l'aise avec sa mauvaise langue? Bérénice, tu es venue m'accompagner et c'est tout. Je me passerai bien de tes conseils. C'est plutôt à moi de te conseiller. Tu as vu tout le poids que tu as pris dernièrement? C'est incroyable. Tu ne m'écoutes pas, tu veux ressembler à une baleine? C'est ton problème. Bref, appelle le commis pour moi s'il te plaît, dépêche-toi. Fanny, tu sais très bien que nous avons beaucoup de projets en ce moment. Pourquoi est-ce que tu dépenses autant pour des futilités? Chérie, une fois elle a accroché mes vêtements avec ses clés à la cafétéria de l'université. Mon haut était tout déchiré, il fallait que je m'en achète un autre. Je n'allais pas quand même me promener avec un habit déchiré dans tout le campus. Mais tu aurais pu en prendre un moins coûteux quand même. J'étais pressée pour assister à mon cours et c'était le seul magasin à côté. Mais c'est vrai Bertrand. Bon. Changeons de sujet s'il te plaît tu veux. Comment va ta mère? Elle est bien arrivée? Oui, mais elle était triste que tu ne sois pas venu la chercher à l'aéroport. Elle aurait aimé être accueillie avec un peu plus de chaleur. Oh chérie, je suis tellement désolée, tu sais que je ne pouvais pas manquer le cours de ce matin. De toute façon, elle est là pour 2 semaines encore. J'irai la voir avec un petit cadeau. Cela lui fera énormément plaisir. Chérie, elle m'a aussi parlé d'une chose dont je voudrais qu'on discute un peu. J'espère que ce n'est pas encore à propos des enfants. Non. Enfin? Pas totalement. Elle m'a dit qu'elle et papa veulent faire venir ici une jeune femme d'Afrique. La petite habite avec eux depuis quelques mois et ils veulent qu'elle vienne continuer ses études ici. Maman voulait qu'elle habite avec nous pour mieux s'adapter ici. Qu'en penses-tu? Bertrand, je ne sais pas. Quel âge a-t-elle? Elle doit avoir autour de 16 ou 17 ans. Oh! Mais c'est une grande fille? Dans ce cas, je suis d'accord,
elle pourrait m'aider avec les tâches à la maison et contribuer financièrement. Et une fois son diplôme en poche, elle se cherchera un appartement pour être plus indépendante. Fanny, elle vient pour étudier d'abord. Il faudra la mettre à l'aise, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux insinuer ? Bien sûr qu'elle sera à l'aise. Bon. Je veux dire à maman que tu es d'accord. Et pour ses dépenses ? C'est nous qui allons les prendre en charge ? Il faut y penser tout ça. Maman et papa vont se charger de ses frais académiques. Les petits besoins, on peut gérer Fanny. Mais ça dépend. Bon, ça va, Fanny. Et de plus, souviens-toi que nous n'avons pas d'enfants. C'est peut-être Dieu qui teste nos cœurs après tout. Alors accueillons-la bien et mettons-la à son aise, s'il te plaît. Bérénice, je te dis toujours qu'il faut savoir s'habiller selon l'occasion. La dernière fois à la fête d'Amanda, tu m'as tellement fait honte. C'était quoi cet accoutrement ? On aurait dit une robe de chambre. Ne fais plus ça, s'il te plaît. Ma chère, si tu continues, prochainement moi je ne t'invite pas, crois-moi. Même Amanda a eu très honte. J'ai mis ce que j'avais, Fanny. Eh bien, si tu faisais au moins ma taille, j'aurais pu te prêter mes vêtements de marque, mais malheureusement tu fais 4 fois ma taille. Bon. Chérie, je dois y aller, j'ai rendez-vous avec Amanda pour trouver un cadeau à ma mauvaise langue de belle-mère. Je dois te laisser. Mais on avait prévu de passer la journée ensemble aujourd'hui. Alors le programme vient de changer, ma chérie. Je suis désolée, Amanda m'attend, bisous. Ah, j'ai tellement soif, je vais me commander une boisson fraîche. Salut, vous êtes très pensive, vous allez bien ? Oh, oui. Oui, ça va. Vous attendez quelqu'un ? Je peux vous tenir compagnie sinon ? Non, oui. Enfin non, désolé. Je dois y aller, excusez-moi. Mais, attendez. Mon fils, as-tu parlé à ta femme à propos de la jeune fille dont je t'ai parlé l'autre jour ? Oui, maman, Fanny est d'accord. Tu es sûr qu'elle est d'accord ou c'est toi qui l'as influencée ? Elle est d'accord, maman. Ne fais pas cette tête. Toi et moi nous connaissons ta femme, alors je veux être sûr que quand Dahlia viendra, elle sera à l'aise ici. Sinon, dites-le moi et je trouverai une autre solution pour elle. C'est une jeune fille très calme, je ne veux pas que ta femme soit désagréable avec elle. Maman. Tu sais très bien que ce que je dis est vrai, Bertrand. Maman, s'il te plaît. Fanny est un peu compliquée, oui. Mais elle n'est pas méchante, je sais comment la gérer, ne t'en fais pas. En tout cas. Bon. Vos problèmes ne me concernent pas, je veux juste que l'enfant soit dans des bonnes conditions, Bertrand. Assure-toi qu'elle soit à l'aise. Ne t'en fais pas, maman. Je te promets que tout ira bien. Moi, je vais bientôt rentrer chez nous. Restez attaché à Christ, mon fils. Et laissez le Saint-Esprit vous conduire et vous transformer. Ça ne sert à rien de s'appeler chrétien si on ne peut pas le voir dans notre vie et nos comportements. Bon sang, pourquoi tu frappes jamais à la porte avant d'entrer dans ma chambre, Balmain ? Salut, petit frère. J'ai frappé mais tu n'as pas entendu. Ok, qu'est-ce que tu veux ? Je viens te voir. Je ne te vois pas beaucoup en ce moment, tu rentres très tard. Ouais. Tu sais, les soirées entre amis, tu sais. Trévis, je te rappelle que tu n'es pas ici pour profiter de la vie, mais plutôt pour tes études. Si tu continues à te méconduire, je vais demander à papa et maman de te reprendre. Relax, grand frère, tu viens faire une partie de FIFA avec moi ? Non. Je travaille tôt demain, j'ai rendez-vous à la galerie pour laisser quelques tableaux avant d'aller au bureau. D'accord, monsieur l'artiste. Dis-moi, tu as toujours un cœur à prendre ? Parce que la grande sœur de mon ami donnerait tout pour un rendez-vous avec monsieur le beau gosse. Tu n'es vraiment pas drôle. Dis-moi, Greg n'est pas toujours rentré ? Il n'était pas dans sa chambre tout à l'heure. Monsieur spirituel ? Il doit être à l'église.
Ou s'il n'est pas à l'église, alors peut-être qu'il est à l'église. Bon, ça suffit. Ferme cette console et couche-toi, il est déjà tard. Oh, mais c'est la fille du bar là-bas. Quelle coïncidence. Salut, vous allez bien? Quelle drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Oui. Désolé, j'étais sur le point de m'en aller. Attendez. Ne partez pas. Je me trompe ou j'ai l'impression que vous me fuyez? Non, pas du tout. Je partais déjà. Je n'ai décidément pas de chance, j'arrive toujours lorsque vous partez. Je dois vous laisser, monsieur, j'ai cours à l'université tout à l'heure. Non, attendez, s'il vous plaît. Pourrais-je connaître votre nom au moins? S'il vous plaît? Je m'appelle Bérénice. Bérénice Robert. Je dois y aller, désolé. Bérénice. Bérénice Robert. Son avion vient d'atterrir. Elle devrait arriver bientôt. D'accord, chérie. Ça commence à prendre du temps quand même. Oh, regarde. C'est elle avec le sac à dos. Je ne la vois pas. Regarde, elle est là avec le t-shirt noir et le sac à dos, près des escaliers. Oh mon Dieu. Mais... Elle est albinos? Oui, et où est le problème? Et comment est-ce qu'elle s'appelle? Oh, j'ai complètement oublié de te le dire. Elle s'appelle Dahlia. Viens, allons l'accueillir. La pauvre, elle a l'air timide. Dahlia, ce n'est pas possible.